sur mon ring. Sur mon oh, oh, mon gabo. A mon ring, mon boyana, sur mon ring. À téléphone, je me sens en ligne, oh, Barba Bodina Mouza. Ici, je suis chez moi. Oui, comme d'habitude, c'est moi ce soir qui suis le prologue. Vous vous portez bien? Tant mieux. S'il vous plaît, chaque fois que je dirai « Bomo yé » répondez « Yé ». Ne m'obligez pas à descendre. « Bomo yé ». Merci. Ici, je suis chez moi. Vous êtes chez vous. Nous sommes à la fête de notre tradition. Tradition africaine, bien entendu. Cameroun, Afrique en miniature. Tradition du Gabon. Tradition de la Guinée équatoriale. Tradition du Tchad. Tradition du Rwanda. Tradition d'Égypte. Tradition du Burundi. Tradition du Zimbabwe, tradition du Cameroun, Afrique en miniature. Oui. Bamoye! Bamoye! Ici, nous sommes chez nous. Je suis chez moi, oui. Et je suis vraiment chez moi, oui, parce que les hommes que je vois, les femmes que je croise m'appellent leurs frères. Et les enfants? Bamoye! L'herbe que je foule aux pieds reconnaît mes pas. Oui, les chiens n'aboient pas contre moi, mais ils remuent la queue en signe de reconnaissance. Attendez, dans chacun de ces toits qui fument là-bas, on va m'inviter pour partager le ndolé, le coquille, le betoxon, le pem, le sanga, le foutu igname, le kedjenou. Bamoye! Bamoye! Chez nous en Afrique, on ne dit pas bon appétit. La tradition veut qu'on dise à son frère, viens manger. Bamoye! Bamoye! Écoutons. Écoutez. Écoutez les arbres de nos forêts vibrer à travers les balafons de Koujoujou. Écoutons. Écoutons. Écoutons les arbres de nos forêts vibrer à travers les tam-tams et les tambours d'Adjouyaye. Écoutons. Écoutons. Écoutons vibrer les danses de chez nous à travers les traditions de chez nous. Écoutons, écoutons, écoutons les danses de chez nous vibrer à travers les danses de chez nous. Oh, ici nous sommes chez nous. Nous sommes vraiment chez nous. Bien, la petite histoire de ce soir que je m'en vais vous conter. Vous savez, nos frères et nos aïeux avaient une façon particulière de transmettre la sagesse. Oui, oui, oui. Celui qui se réveille en même temps que la perdrix est celui qui trouve à manger. Dit le proverbe de chez nous. L'autre proverbe nous dit que la parole du vieillard est la parole de l'expérience. Car un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Bamoye, la petite histoire de ce soir est une énigme parce que traditionnellement, nos ancêtres réunissaient les enfants et leur transmettaient la sagesse à travers les énigmes, les proverbes et les devinettes.
Alors, voici une énigme que je vous pose. Toi qui es venu ce soir pour la fête de la tradition. Alors, il y avait une femme. Une femme, comme celle que tu as chez toi, comme celle que j'ai chez moi, comme celle que nous avons chez nous. Alors, il y avait une femme qui avait l'habitude de fuir le foyer conjugal. Permettez que je prenne un peu... Ça aussi, c'est la tradition. Alors, cette femme avait l'habitude de fuir le foyer conjugal. Et ce jour-là, elle s'est encore enfuie. Et évidemment, son mari ne l'a pas poursuivi. Il a dit, bon, tu n'as qu'à partir. Elle s'est enfuie et elle s'engage dans un bosquet. Évidemment, vous savez que les bosquets, il n'y a presque pas d'arbres. Il n'y a pas d'habitation, je veux dire. Il n'y a pas d'habitation, mais ce jour-là, dans ce bosquet, il y avait une petite cabane. Alors, sans plus attendre, la femme s'introduit dans cette cabane. Oh, quelque temps plus tôt, bon moyen. Or, quelque temps plus tôt, il y avait deux bons hommes, comme toi et moi, qui, auparavant, s'étaient introduits dans cette cabane avec un macabé. Avec tout simplement un macabé. Et avait déposé ce macabé-là dans la cabane. Alors, les deux bons hommes qui avaient envie de se mettre à l'aise, parce que ça ne fait pas très commode de rester à côté d'un macabé, sont donc allés prendre de l'air, histoire de voir ailleurs. Alors, l'autre femme s'introduit donc dans la cabane. Elle s'installe. Et bien installée, confortablement, elle ne pensait plus à rien. Pour elle, elle était en sécurité. Et voilà. Oh non ! Nos deux amis qui étaient partis chercher de l'aise, de l'air, pour être en forme et transporter le macabé, reviennent pour prendre leur macabé. Et dans leur conversation, voilà ce qu'ils disaient à peu près. Compère, rentre très vite pour prendre notre mort là, pour rentrer chez nous, parce que les autres nous attendent au village, oui, parce que l'enterrement va, il faut creuser la tombe, il faut préparer. Bon moyen, la conversation suit son cours jusqu'au pas de la porte. Et de l'intérieur, la femme qui entend cette conversation, elle dit, hein, quoi? Que dit-on à l'extérieur? Que dans cette maison, il y a un macabé. Et juste à ce moment-là, quand elle pose la main à son côté, elle touche encore. Elle dit, oh! Je suis à côté d'un macabé. Un mort que je ne connais pas. Alors, prise de panique, elle fonce vers la porte et la défonce. Mais maintenant, de l'extérieur, nos deux compères qui entendent le bruit qui vient de l'intérieur s'imaginent que, oh, ça y est, le mort s'est réveillé pour venir nous punir de l'avoir laissé tout seul. Alors, dans la confusion, il y a ce qu'on appelle en français tamponnement. Vous voyez? Vous voyez? Alors il y a un tamponnement et de l'autre. Et à
ce coup-là, bon, comme nous les conteurs, nous sommes des gens intemporels. Moi, j'étais là. Tout le monde est tombé là par terre, évanoui. Bon, moi, j'étais là et je suivais la scène. Alors, insolite, dans le tamponnement, il y a... Bon, il y a... Quand on a bien mangé, et le reste là. Le reste là, et reste là, boum. Mais qui a fait ce reste là? Est-ce la femme? Est-ce les deux compères? Bon, là-dessus, moi, je ne peux pas répondre à cette question. Je vous laisse. Je reviendrai tout à l'heure prendre les réponses. Et Gobert, continue. Merci, Philemon Blanc.